Verse 1, I will lift up my eyes unto the hills from where my help comes from. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Verse 2, my help comes from the Lord which made heaven and earth. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. We're going to read this together in English and then in French. On va lire ces deux versets en anglais d'abord et puis en français tous ensemble. Amen. Amen. One and two. One and two. One and two. I will lift up my eyes unto the hills. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. If God can make heaven and earth, si Dieu peut créer les cieux et la terre, can He not help you? Est-ce qu'il ne peut pas venir vous aider? Amen. David said, "My help comes from the Lord, and by the way, He made heaven and earth." Et David a dit, "Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre." Now, if I know somebody that makes heaven and earth, si moi je connaissais quelqu'un qui a créé les cieux et la terre, I will go to him for help. J'irai vers lui pour avoir l'aide ou le secours. Amen. Makes sense, right? Ça a du sens, n'est-ce pas? I know the one who created all of this. Si je connaissais celui qui a créé toutes ces choses, I'm going to call on him to help me in my situation. Je l'invoquerai pour m'aider dans ma situation. Amen. If you can put on the slide, I prepared a slide. My message this morning, very simple. Mon message ce matin est très simple. Help from heaven. Le secours des cieux. Ou l'aide vient des cieux. Help from heaven. L'aide des cieux. Some of you need some help from heaven. Certains d'entre vous avaient besoin de l'aide des cieux ce matin. Amen. We need some help from heaven. On a besoin de l'aide des cieux. Hallelujah. Let's put our Bibles down for a moment. Déposons nos Bibles un instant. Join with somebody in prayer. Let's pray that the Lord will do a quick and mighty work. Joignez-vous à quelqu'un dans la prière. In Jesus' name. Hallelujah, in the name of Jesus, we take dominion over every spirit and every thought that would exalt itself above the knowledge of Jesus Christ. We bind ourselves together in one accord, Lord, to receive help from heaven. In Jesus' name. Everybody say, in Jesus' name. Before you see to tell your neighbor, help is on the way. De temps en temps, tout le monde, à un moment donné, tout le monde aura besoin d'aide. At one point or another in our lives, à un moment bien donné dans notre vie, we need help. On a besoin d'aide. This present world is filled with people that are in need of help. Et dans ce monde actuel, il est rempli de personnes qui ont besoin d'aide. In your life, there's people that need help. Dans votre entourage, il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Your family needs help. Votre famille a besoin d'aide. Your work needs help. À votre travail, il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Your relationships need help. Vos relations ont besoin d'aide. Our marriages need help. Notre mariage a besoin d'aide. Our bodies need help. Notre corps a besoin d'aide. Somewhere, one way or the other, à un moment bien donné, there are certain things that go beyond our own power and ability. Il y aura des situations qui seront au-delà de nos forces ou de nos capacités. We face things we cannot fix. On fera face à des choses qu'on ne peut pas arranger par nous-mêmes. We face things that we cannot heal. On fera face à des choses qu'on ne pourra pas guérir nous-mêmes. We wish we could wash away things. On souhaiterait pouvoir enlever toutes ces choses. There are certain things we just cannot erase from our lives. Mais il y a des choses qu'on ne pourra pas effacer de notre vie. We need help. On a besoin d'aide. Somebody say we need help. Quelqu'un a dit j'ai besoin d'aide. I need help. J'ai besoin d'aide. I need help to preach. J'ai besoin d'aide pour prêcher. I cannot do this alone. Je ne peux pas le faire tout seul. I need help to
lead the church. J'ai besoin d'aide pour diriger cette église. I can in no way do this on my own. Je ne peux pas vraiment le faire tout seul. You need help to walk with God. Vous avez aussi besoin d'aide dans votre marche avec Dieu. There is much that you can achieve by self-discipline. Par l'autodiscipline, vous pouvez accomplir certaines choses. But there's a lot of things you will never be able to reach in God unless God helps you with it. Mais il y a, avec Dieu, il y a certaines choses, vous aurez besoin d'aide de Dieu pour les accomplir. Making a decision. Prendre une décision. You need help. Vous avez besoin d'aide. Amen. Making a decision to give your life to Jesus, you need help for that. Pour prendre la décision de donner Amen. Votre vie à Dieu, vous avez besoin d'aide pour ça. Telling to yourself, you know what, I'm going to be baptized this morning in Jesus' name. Dire en vous-même, ce matin, je vais me faire baptiser au nom de Jésus. I'm going to give my life to the Lord. Je vais donner ma vie au Seigneur. I'm going to start a new walk with God. Je vais commencer une nouvelle marche avec Dieu. I've never done it. Je l'ai jamais fait. But today I want to make that decision. Mais aujourd'hui, je veux faire prendre cette décision. I want to tell you this morning, you do not make that decision on your own. Mais je peux vous dire ce matin que c'est pas de vous-même que cette décision vient. You need help with that. Vous avez besoin d'aide pour Amen. Ça. Now the question is, where does your help come from? Et la question est, d'où vient votre aide? If it comes from friends. Si cette aide vient de vos amis. Does it come from the internet? Est-ce qu'elle vient d'internet? Does it come from another country? Est-ce qu'elle vient d'un autre pays? Does it come from your own self and your experiences? Est-ce qu'elle vient de vous-même ou de vos expériences? Where does our help come from? D'où vient notre aide ou notre secours? Some seek it in money. Certains le recherchent dans l'argent. If I have enough. Si j'ai assez, I can deal with my life. Je pourrais bien gérer ma vie. Some seek it in friends. Certains cherchent l'aide dans les amis. If I have enough, si j'en ai assez, I have a sense of security. J'ai un sens de sécurité. Some seek it in success. Certains le recherchent dans la réussite. If I have it and if people applaud me, si j'ai la réussite et que les gens m'applaudissent, I believe I don't need help. Je pense que je n'ai pas besoin de plus d'aide. Some seek it in the career. Certains recherchent l'aide dans leur carrière. We can look for help anywhere you want to. On peut chercher de l'aide partout où nous voulons. But there's only one place where you can find help that comes from heaven. Mais il n'y a qu'un dans un seul endroit où vous pouvez trouver l'aide qui vient des cieux. We can offer you help. I can offer you help. Je peux vous offrir mon aide. Attendez, je peux t'aider. But this is just worldly help. I can help you as a man helps a man. C'est juste de l'aide du monde. Je peux t'aider en tant qu'homme. But I cannot heal you, brother. Mais je peux pas te guérir. I cannot fix you. Je peux pas arranger toutes les situations. We can help each other. On peut s'aider les uns les autres. But there is one that offers help from a different world. Mais il y a un seul qui peut offrir une aide qui vient d'un autre monde. There is one that can stretch forth his hand and offer help from heaven. Seul qui peut étendre sa main et vous offrir l'aide des cieux. I want to introduce his name to you this morning in case you don't know him. Et si au cas où vous ne le connaissez pas, je voudrais vous le présenter ce matin. They call him Jesus. On l'appelle Jésus. Alléluia. A man from Galilee. Un homme de Galilée. Born in a manger. Né dans une étable. Born from a teenager. Né d'une adolescente. Walking in the streets of Jerusalem. Qui marchait dans les rues de Jérusalem. But that man was more than just a man. Mais cet homme était bien plus qu'un homme. Amen. That man was God incarnate in flesh. Cet homme était Dieu incarné en chair. And he called himself the I am. Et il s'appelait le Je suis. Jesus Christ is still the help from heaven. Et Jésus-Christ est toujours cette aide qui vient des cieux. Do you believe that? Est-ce que vous le croyez? He's the Alpha and the Omega, church. Jesus says, I've got this in my J'ai de l'aide en moi.
It's the Spirit of God. C'est l'Esprit de Dieu. Jesus promised that he would send us help from heaven. Et Jésus a promis qu'il enverrait l'aide des cieux. John 14 and 15 says, Jean 14, 15 dit, if you love me, keep my commandments. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. And then Jesus says in verse 16, et au verset 16, il dit, and I will pray the Father. Et moi je prierai le Père. And he shall give you another comforter. Et il vous donnera un autre consolateur. That he may abide with you forever. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Verse 17. Even the Spirit of Truth, l'Esprit de vérité, whom the world cannot receive because it sees him not, neither knows him. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. But you know it. Mais vous, vous le connaissez. Yeah. For he dwells with you. Car il demeure avec vous. Yeah. And he shall be in you. Et il sera en vous. Jesus promised. Jésus a promis. In verse 18. Au verset 18. In case you don't know who this Spirit is. Au cas où vous ne savez pas c'est quoi cet esprit. I will not leave you comfortless. Je ne vous laisserai pas orphelin. I will come to you. Je viendrai à vous. Not a different spirit or a different thing, but I will come to you. Pas un autre esprit ou une autre chose, mais moi, je viendrai à vous. I'm gonna be your help from heaven. Je serai votre aide. What is Jesus saying here? Qu'est-ce que Jésus leur disait? Help is on your way. L'aide est en route. I'm going to send you something that will comfort you when you are alone. Et je vais vous envoyer quelque chose qui va vous réconforter quand vous vous sentirez seul. It's the Holy Ghost. C'est le Saint-Esprit. Yeah. Hallelujah. Amen, somebody. It's going to heal us when we are sick. Il vous guérira quand vous serez malade. It gives you strength when you are weak. Il vous donnera la force quand vous êtes faible. It will lift you up when you are down. Il vous élèvera quand vous vous sentez abaissé. Why? Because you don't need to walk with Jesus all by yourself. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas marcher tout seul avec Jésus. This decision and this walk, you don't need to do it by your own. Jesus is there to help you do it. Et cette décision, vous ne devez pas la prendre tout seul. Jésus est là pour vous aider à la prendre. He wants to direct you when you are lost. Il veut vous diriger quand vous êtes perdu. Speak to you when you disobey. Il veut vous reprendre quand vous désobéissez. Restore you when you are broken. Vous restaurer quand vous êtes brisé. Oh, hallelujah. Comfort you when you're crying. Vous réconforter quand vous pleurez. And heal you when you're in pain. Et vous guérir quand vous êtes dans la douleur. We got help from heaven, church. Nous avons l'aide des cieux, Église. You are not on your own. Vous n'êtes pas tout seul. When you go tomorrow to your jobs, demain quand vous irez au boulot, heaven goes with you. Les cieux iront avec vous. There's angels walking around you. Parce qu'il y a des anges qui marchent autour de vous. Do you believe that, church? Est-ce que vous le croyez, Église? Come on, do you believe that? Est-ce que vous le croyez? Psalm 91. Come on, I feel my help coming on me right now. Et je sens mon aide qui vient sur moi. Psalm 91. Hallelujah. I need four tall brothers to stand right at the altar right now. Et j'ai besoin que quatre grands hommes viennent se tenir ici devant. Come on. Four tall and strong brothers. Quatre grands et forts frères. Oh, you timid guys. Les hommes timides. Psalm 91. And verse 11 says. Verset 11 dit. Amen. Let me just start with verse 7. On va commencer au verset 7 d'abord. Psalm 91 and verse 7. Listen to this. A thousand shall fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come nigh thee. Que mille tombent à ton côté, 10,000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Only with your eyes shall you behold and see the reward of the wicked. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Because you have made the Lord, which is my refuge, even the Most High, your habitation. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. There shall no evil befall thee. Aucun malheur ne t'arrivera. Somebody say amen. Amen. Neither shall any plague come nigh thy dwelling. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Why? Pourquoi? Next verse. For he shall give his angels charge over thee. Alleluia. To keep thee in all thy ways. Car il ordonnera ses anges de te garder. Alleluia. Dans toutes tes voies. You don't see it and you don't know it. Vous ne le voyez pas et vous ne le savez pas. But there are ministering spirits that God has sent to your life to protect you. Mais Dieu a envoyé des anges pour vous protéger.
Just like these four men. Comme ces quatre hommes. You make a circle around me. Faites un cercle autour de moi. Amen. I'm surrounded by a protection. Je suis entouré d'une protection. Help from heaven. De l'aide des cieux. Alléluia. Psalm 23, the Bible says. Le psaume 23, la Bible dit. Surely, goodness and mercy Amen. Shall follow me all the days of my life. Oui, ta bonté te. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Amen. Tous les jours de ma vie. And I will dwell in the house of the Lord forever. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Can I tell you something, church? Goodness and mercy follows you. Le bonheur et la grâce vous accompagnent. So I have the angels to protect me. Donc j'ai les anges qui me protègent. And if I have goodness and mercy following me. Et si j'ai là le bonheur et la grâce qui m'accompagnent. It doesn't matter where I go. Peu importe où je vais. Goodness and mercy is sleeping. That's why we need help from heaven. You're special. Vous êtes spécial. Amen. Amen. Tu es spécial. Tu es spécial. Amen. Thank you for changing my message. Merci d'avoir changé mon message. If goodness and mercy follows me, si le bonheur et la grâce m'accompagnent, this needs to happen. C'est ça qui doit se produire. I can go to the left. Je peux aller à gauche. And they're still with me. Et ils sont toujours avec Amen. Moi. I can turn to the right. Amen. Je peux aller vers la droite. Amen. And they follow me. Now, I need another brother to help them out. Come on, another brother that has a sense of speed. Come on, brother. Understand the game. This is it. You got to see this church because this is how you live with Jesus. Vous devez visualiser cela parce que c'est comme ça qu'on vit avec Jésus. When I take a wrong decision, quand je fais une mauvaise décision, and I go this way, et que je vais par là, goodness and mercy is not going to leave me. Le bonheur et la grâce vont pas laisser. It'll stay with me, brothers. Keep your eyes on me because I'm going this way and nobody's here. Goodness and mercy is following me. It's not stopping me. It's following me. You know how long
it is. Et vous savez comment c'est. Some of you glued to that chair. That's why we want to get rid of them. Et certains sont collés à ces chaises et c'est pour cela qu'on veut pas s'en débarrasser. They are too comfortable. On est trop confortable. I'm going to give you steel chairs. Je vais vous donner des chaises en métal. That barely fit your behind on it. Que vous arrivez à peine à vous asseoir dessus. So you have no other choice but to stand. Que vous n'aurez plus le choix que de vous mettre debout. But then walk to the altar is the longest walk in your life. Mais la marche vers l'autel est la plus longue des marches qui existent. Because it's a walk of decision. Parce que c'est une marche avec une prise de décision. Because I've seen it time and time again. I've seen it time and time again. J'ai vu plein de fois. That when people make that decision, que quand les gens se disent je vais y aller, everything changes. C'est là-bas que tout change. Yeah. Alors quand les gens prennent cette décision, when people make that decision, Dieu commence à agir dans leur vie. God starts to move in their life. But it's a question of am I going to do it or not? Mais la question est-ce que je vais y aller ou pas? And when you do it, et quand vous heaven prenez comes cette to your help. L'aide vient à votre secours. The angels start ministering to me. Les anges commencent à me servir. They start lifting me up. Ils commencent à m'élever. Next time he rehearses, prochaine fois on va répéter un peu. And they will take my broken